tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un Saint-Nicolas de Bourgueil, cuvée MR l'élégante, millésime 2012, du vignoble de la Jarnoterie. Comme vous pouvez le constater, c'est une cuvée qui porte bien son nom puisque la bouteille en elle-même est déjà bien élégante. Vous allez retrouver sur le dessus une capsule de couleur foncée avec le logo en doré des vignerons indépendants. Il y a également un double liseré en dessous doré. Au niveau de l'étiquette frontale, on va retrouver un effet visuel qui va faire penser à une étiquette dorée qui serait collée en dessous de l'étiquette principale. On va retrouver le nom de la cuvée, Emer l'élégante, l'appellation, le millésime, le nom du vignoble et des petits effets dorés un peu partout. Au niveau de la contre-étiquette, on va trouver des conseils de dégustation de ce vin, un petit laïus sur le domaine et sur cette cuvée, ainsi que le degré alcoolique qui est de 12,5 degrés. Alors c'est un vin qui possède une robe rubis rouge, assez brillante. Au nez, on va retrouver des arômes de fruits rouges comme la framboise ou la cerise. La bouche, quant à elle, offre des notes très fruitées de framboise. Et il a une texture qui est charnue, fraîche, avec une belle élégance. C'est un vin qui est issu de Cabernet Franc. Ils ont un rendement de 50 hectolitres par hectare sur cette cuvée. Et les vignes sont âgées de 5 à 40 ans. Donc c'est un vin qui est élevé de 3 à 4 mois en fût de châtaignier pour arrondir la fin de bouche à l'abri dans les caves de tuffeau. Vous pouvez garder ce vin de 5 à 6 ans. Il faut le servir plutôt à 14 degrés et il accompagne très bien tout ce qui est noix de veau au girolles, pirates de poisson ou de viande avec des petits légumes. Donc cette cuvée a reçu dernièrement comme récompense un commended à l'International Wine Challenge en 2014, une médaille de bronze en 2013 au concours des Ligiers, donc c'est un concours qui est spécifique au vin de Loire, et il a obtenu 2 étoiles au guide Hachette des vins. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné envie d'en savoir plus sur ce domaine et sur leur gamme de vins. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Professionnel ou non, aimez nos vidéos, partagez-les, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.